Le réchauffement climatique est un des sujets qui gêne énormément l'Inde. Pendant longtemps, l'attitude de l'Inde a été de dire, comme beaucoup d'autres pays en développement, vous n'avez pas à nous fixer des limites d'émissions de gaz à effet de serre, parce que nous sommes un pays sous-développé, en développement, et vous, les pays occidentaux, vous avez déjà pollué énormément au 19e et au 20e siècle, ce qui a permis à votre population d'atteindre un niveau de vie que les nôtres n'ont pas encore. Et l'Inde, à juste titre, fait valoir que les émissions de carbone de l'Inde sont peut-être très élevées, mais pris par habitant, elles sont 13 à 14 fois moins grandes que le citoyen américain. Il n'en demeure pas moins que, à l'approche de Copenhague, les Indiens étaient assez inquiets de voir que pouvait se profiler un accord contraignant qui aurait été très difficile à vendre aux populations indiennes qui comptent beaucoup sur la croissance pour sortir de la pauvreté. Et sortir de la pauvreté est et demeure une priorité de tous les gouvernements indiens, qu'ils y réussissent ou non. Et bien entendu, beaucoup d'Indiens sont encore très pauvres. Et on le voit aussi dans les négociations dans l'Organisation mondiale du commerce. Le problème, c'est que le dérèglement climatique affecte aussi l'Inde. Il y a eu des moussons extrêmement violentes il y a quelques années, avec des inondations au Rajasthan, qui est plutôt une région désertique de l'Inde, dans le nord. Il y a la fonte accélérée des glaciers de l'Himalaya, qui inquiète les deux riverains de l'Himalaya que sont la Chine et l'Inde. Il y a eu aussi la naissance d'une conscience écologique et écologiste dans la population indienne, avec des organisations non gouvernementales qui ont mené des procès, qui sont montés jusque devant la Cour suprême pour bloquer des projets de construction comme le barrage sur la Narmada dans le Gujarat, où finalement la Cour suprême a autorisé la construction de ce barrage, mais ça a été retardé plusieurs années. Et puis, forcément, les questions sanitaires, parce que cette pollution s'accompagne de maladies respiratoires qui affectent les jeunes et les vieillards dans les grandes villes, et des grandes villes comme Bombay, Calcutta, Chennai, Delhi, connaissent une pollution considérable due à la circulation automobile, aux usines, et d'une manière générale au manque d'hygiène. Et il est assez difficile pour le gouvernement indien d'assimiler toutes ces contradictions avec, d'une part, la défense prioritaire de la croissance pour permettre aux Indiens de sortir de la pauvreté, et deuxièmement, l'objectif d'éviter que la pollution ne détruise ce qui est du mode de vie indien, et enfin que l'Inde soit mise en accusation comme étant le pays qui bloque toute solution au niveau global pour permettre de lutter contre le réchauffement climatique.